Vous me rejoignez ici au Nord Park pour le dernier mois de 35-39 avec tous les athlètes hommes et femmes de la catégorie. Donc bien sûr, notre porte-drapeau français, Alexandre Olivier. Le WOD est simple. 21, 15, 15. Nadine Barnabla. Keep an eye on your favorite athletes as we cross over the one-minute mark. Once again, a six-minute time cap here for their final event. Donc, un bon coupé, une francie pure et dure. That is right, Mike, the final event. Athéro Félix, déplacement du sport, 35-39-year-old master, athlete on the floor right now. Le monde de Gilles, déplacement de son corps et le coup de son corps dans l'espace. Cicero, your first athlete back to round number two barbell. We'll start that round of 15 just in front of Olivia Boone and Carlene Matthews. So close behind him is your leader going into today, Anna Tobias. Alex, deuxième pour l'instant. Taking that first bicuplet and first off the Zeus rig. Des détails. It is Mike Garrion over there in lane 11. Parce qu'il avance avec son pied plutôt middle of the field, green tank top. Il regarde à sa droite. He is being joined now by Sigurd Kristensen and Alexander Jolivet. Il part en tête de zone. On to round number two. Set of 15. 15, il va faire 3 fois 5. Il doit avancer sa barre un petit peu. Cicero back to the bar in the lead, getting a couple reps out of the way. À côté de Longmire. Il a de l'avance, Longmire. Il était deuxième à descendre de la barre de traction. Il était passé troisième pendant la position. Et on verra si il passe un troisième, s'il arrive à avancer. Last five snatches for Jose, last five snatches for Mike Avgarian. It's just about Cicero out to the bar for the final time. I know she's got some friends and family here. Make some noise for Hope Cicero. At the 3-minute 20-second mark, it is Sigurd Kristensen back to the Zeus rig first. Trying to grab this victory right here. A quick sprint back to the ring. And a quick 9 chest of bar for Cicero. At the 3:38 marker. Cicero sitting in that number 4 position going into today. Going to try to grab as many points as she can right here. We'll see how this leaderboard shakes out. Give it up for Hope Cicero, Olivia Boone right on her heels. Allez, Alex. Alex, c'est quoi ce premier? Allez, Alex! Allez, Alex! Olivia Boone! Allez, Alex, go, 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 go! Go, Alex! Allez, Alex! Une, allez, on va se compter. Deux, allez, pas de l'oreille. Trois, super. Quatre, cinq, allez. Allez, Alex. Alex, go. Il est sur les singles là-bas. Allez, accroche-toi. Emporte ce dernier WOD, mon ami. Ça te fera du bien dans le classement. Go, Alex. And there goes Jolivet back to that victory for the last 9 chest of our pull-ups. He remains just a few steps ahead of Sigurd Kristensen. 1 minute. La prise qui souffre après les amendements. Mes amis, Alexandre Jolivet qui remporte ce dernier WOD de CrossFit Games 2019. Allez, un petit supérieur, un truc comme ça, super Alex. Bravo. Ça c'est beau ça. Et il se met à son endroit fétiche. Tout le pégase. C'est beau ça. Oh, il y a la Jolivet qui est là encore. Elle est jamais loin. C'est beau ça, la France est là. Okay. Good job Alex Jolivet. Ça, à mon avis, ça va créer 15 seconds on the clock.
Et la grosse. Le sourire de Jolivet. Il fait chaud et il vient enchaîner 3 watts de l'ado. Je vous rappelle, 2 reps max. Donc raconte-nous là cette fin là, parce qu'il y avait quand même 3 watts d'affilée, Alex. Là c'est dur. Ça, j'ai vu plus la crossfit. J'y arrive. Quand c'est que de la course et du poids de corps, c'est dur. Ouais. T'en as de la différence. Tiens, il y a ton juge, il va falloir signer ton scorecard. Là, il fait le merci pour les nos reps. Et Donc deux copies de scorecard. Et donc raconte-nous, tu disais, quand c'est de la course. Il va voir cette demoiselle. Alors raconte-nous alors. Alors en fait c'est dur parce que en fait c'est du back to back. Tout s'enchaîne. Il fait super chaud, il fait 40 degrés. C'est très dur. Mais je suis content parce que il y a une grosse partie des games. C'est que du poids de corps. J'ai eu du mal. À la fin, ils mettent 2 watts de crossfit. Et là bizarrement, même les plus forts, je passe devant quoi. Ouais, je suis content. Bah, c'est surtout là sur le dernier watt ta stratégie de touch and go. Parce que beaucoup d'athlètes, ils avaient juste en tête single quoi. Donc d'avoir fait peut-être une série en 5 touch and go, ça fait vraiment la diff, non? Ouais bah. Écoute, ils disent que ça taxe beaucoup sur les avant-bras. Yeah. Je pense que la différence c'était pas trop au snatch. La différence je pense c'était surtout au chest bar. Fallait faire une plus grosse série tout de suite. Yeah. C'est ce que mon coach m'apprend à l'entraînement. Mais bah si tu veux, si tu veux faire 7 sur 21, mais tu peux faire 15, fais 15, t'arrives toujours à faire 6. Mais t'auras peut-être du mal à faire 14. Ouais. Bon voilà, c'est ce que je fais. Rien bah, inventé. Mon ami, j'espère que tout ce qui te reste, c'est d'aller pisser dans un pot et un petit test parce que ça serait de très bon augure. Ça voulait dire qu'il y a peut-être un podium. On verra le classement. J'espère sincèrement pouvoir venir te filmer tout à l'heure en prenant ta médaille sur le podium. J'étais 4ème. Je suis pas sûr de bouger, mais. On sait pas, on verra. En tout cas, tu nous as fait vibrer là ce matin. Ouais, je suis content. Ok, bisous mon ami. Allez, ciao.